Bravo, soir. Bravo, Filou. Très, très belle émission ce soir. Oui. Ah, parce que j'ai l'impression que c'est la vraie première. Oui. Parce que la semaine dernière, bon, on a fait une émission, mais on n'était clairement pas prêts. Et non, c'était n'importe quoi. On a même essayé de faire croire en même temps que c'était une autre émission. Que c'était... Voici la question. Regardez. Si on trace un trait entre Strasbourg et Bordeaux sur une carte, il traverse la ville. Quelle époque veut gagner des millions? Donc c'était... Les gens n'ont rien compris à cette émission. C'est quoi la suite, Léa? C'est une émission de cuisine, c'est ça? C'est top quelle époque? Vous voulez faire ça? C'est ça? Ah, elle est jolie, celle-là. C'est vous la chef. Ou peut-être quelle époque Lanta? Quelle époque Lanta? Qui a nommé Christophe de Chavannes? Non, il y en a une que j'ai envie de voir, c'est fort quelle époque. Et je voyais Paul plus grand que ça. Pardonnez mon honnêteté, Léa. Mais vous n'aviez pas vos repères, vos marques la semaine dernière, parce qu'à un moment donné, vous avez même confondu le plateau de quelle époque avec votre compte Tinder. Et on écoute. Vous étiez très beau, mais depuis les Jeux, vous êtes éclatant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous marchez. Merci, vous êtes devenu magnétique. Et, non, mais alors c'est étonnant. Vous n'avez dragué personne ce soir, c'est parce qu'ils sont pas ouf, c'est ça? Donc, c'est très gênant pour eux ce que vous avez fait. Non, moi j'ai vu ça quand vous avez dragué ouvertement Tony Stone. Moi j'ai pensé à Raphaël Glucksmann, seul devant sa télé, en train de manger ses chips. Oh ben non, mais non, mais moi aussi je sais faire du kayak. J'espère pour vous que vos enfants étaient couchés, parce que les petits, ils ont dû faire « Papa, il est cocu !» C'est horrible pour les gamins, c'est horrible. Allez, on va plutôt parler de politique internationale. Oui, je préfère politique internationale. Emmanuel Macron était cette semaine à l'ONU, à New York. Oui. Il a fait un discours. New York. Et il a fait un discours uniquement en français. Le président ne fait aucun effort d'intégration. En plus, c'est vrai qu'il a un bon anglais. Je trouve qu'il a un bon anglais, moi. C'est vrai, il aurait pu au moins dire « Hello, my name is Emmanuel Macron. Where is Emmanuel? He's in the kitchen. » Les Américains, quand ils viennent à Paris, ils font l'effort de parler français. Ils font « Le Tour Eiffel, le Moulin Rouge. » Ils font « Police, police. Oh, je suis volé le portefeuille. » C'est la journée normale d'un touriste à Paris. Alors, vous vous demandez sûrement à quoi sert l'ONU. Bah, à la base, l'ONU, c'est pour empêcher les conflits entre les peuples, quoi. Mais on se rend compte que l'ONU est aussi utile qu'un préservatif en papier crépon. Alors, c'est joli, ça emballe le cadeau, mais ça ne protège pas beaucoup. Voilà, ça, c'est l'ONU. En France, maintenant, après 60 jours d'attente, on connaît enfin le nom des ministres du nouveau gouvernement. Non. Non, 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 non. Alors, non, on ne connaît personne. C'est vrai. On en connaît. Ça, c'est vrai. Oui. Non. Deux, ça... trois. Non, mais en plus, on a attendu 60 jours. Donc, il y avait un truc. On a un petit peu comme des gamins on a commandé la PlayStation et puis on nous offre un Jokari ou un Bill Bocquet. Donc, il y a une déception. Alors, c'est le pétillant et jovial Alexis Kohler qui a annoncé la liste des ministres. T'as vraiment l'impression que ce gars annonce une liste de victimes d'un attentat. Antoine Armand, Geneviève Darrieussecq, Gilles Pougnard, Paul Christophe. Alors, fais semblant d'y croire, Alexis Kohler, bordel, qu'on y croit un petit peu. Alors, je vous ai mis un piège. Gilles Pougnard n'existe pas, mais il a quand même un nom de ministre de Michel Barnier. Alors, l'équipe des nouveaux ministres, on va aller voir. Bien sûr qu'on a envie qu'ils réussissent, mais regardez-les. On est conscient qu'on est en train de souhaiter bonne chance au FC Sochaux pour qu'il gagne la Ligue des Champions. C'est ça. C'est le président, ça. Il a très enjoué. Hein. Oui, il est content. Les passations de pouvoir entre les ministres se sont déroulées au début de la semaine. Ouais, ah, j'adore. Moi, c'est mon petit bonbon. Parce que si dans la vie politique, on utilise de la langue de bois, là, la passation de pouvoir, c'est
Là, on est sur de la marqueterie, c'est de l'ébénisterie. Et en même temps, bon, c'est difficile pour un ministre, quand il est bien élevé, il vient prendre la place de l'autre, il ne peut pas dire « Oh là là, le bordel que tu m'as... » Oh là là, heureusement que tu as un gros naze, ça ne va pas être dur de faire mieux. Alors, en revanche, la passation de pouvoir entre Bruno Retailleau et mon Gérald Darmanin, moins amicale. Moins amicale, quand Bruno Retailleau a dit « Mon objectif, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre. » Alors, je ne parle pas le langage des signes, mais je parle le langage des yeux, et les yeux de mon Gégé Darmanin. Ça veut dire « espèce de gros bâtard Retailleau ». Heureusement, il n'y a pas de passation de pouvoir à France 2. Si, par exemple, un jeune comique arrivait pour me remplacer l'année prochaine et qu'il disait « mon objectif à quelle époque ? Rétablir le rire ». Rétablir le rire, rétablir le rire, je lui dirais, va bien te faire enculer, Paul de Saint. Vous avez vu ? Ils ont mis le tut trop tard. Oui. Donc, on a entendu. Moi, je ne voulais pas dire enculer. Vous avez entendu, Paul. Jamais je n'oserais. On va parler de la délinquance à Marseille qui, hélas, ne faiblit pas. 87 impacts de balles de plomb ont été découverts sur les murs d'un collège situé près d'un point de deal. On écrit sur les murs. Ils ont bien changé les Kids United, visiblement. Ils ont troqué les crayons feutres contre les calaches. Alors, ça s'est passé au collège Stéphane Mallarmé, établissement qui porte très mal son nom. C'est Stéphane trop armé à la rigueur. Mais... Alors, le personnel du collège a immédiatement exercé son droit de retrait. Et c'est là que tu vois que ce n'est pas une école Montessori. Parce que sinon, les profs auraient fait... Qui a fait ça? C'est toi, Dylan? Mais tu sais que c'est très joli. Mais c'est parfaitement aligné. Mais tu es un artiste, mais c'est très bien que tu exprimes ta colère, Dylan. C'est bien que ça... Pardon ? Que j'ai niqué ma mère et mangé mes morts. Mais tout à fait, tout à fait. Je te donne mon froc et ma carte bleue, c'est 75-43. Voilà, c'est Montessori. Un mot de santé. Une fumeuse sur 10 n'arrête pas la cigarette pendant la grossesse. Oui. Et ça met clairement en danger la santé de l'enfant. Mais ça, vous voyez, ça, c'est l'effet JO, parce que tout le monde veut mettre au monde son futur champion paralympique. Alors... Oui, on en a envie, c'est normal. Non, mais il n'a pas fait. Oui, ben, il y en a... Oh non. Il y en a forcément toujours une qui picote un peu. C'est comme un couscous, c'est celle-là. À un moment donné, c'est tu tombes sur l'Aressa, voilà. Alors, évidemment, le tabac, c'est dangereux pour le fœtus. Mesdames, si vous êtes enceinte, si vous avez une forte envie de fumer, eh ben, vous respirez, vous prenez l'air et vous compensez avec un petit Ricard ou deux. L'envie de fumer passe avec l'alcool. Mon filou, vous n'êtes pas que politologue, non. Vous êtes aussi un amoureux des lettres. Et pour terminer, vous vouliez nous parler de vos coups de cœur littéraires. Ah, j'adore la littérature. C'est vrai que la rentrée littéraire, on parle des livres. Et, alors, vous connaissez la recette pour être journaliste littéraire. Il faut se décoiffer, parce qu'ils sont tous décoiffés. Et puis, ils mettent une musique de jazz. Parce que le jazz, ça fait intelligent. Puis, ils mettent des lunettes, comme ça. Et bonsoir, bonsoir. Augustin Trappenard. Bienvenue dans la petite papeterie. Alors, je me tourne vers vous. Alain Robert, vous êtes alpiniste de légende et auteur de ce livre vertigineux, Libre et sans attache. Alors, dans la même veine, on vous conseille un autre ouvrage, Pas libre et bien attaché, regardez, c'est magnifique. C'est un livre formidable. Ça raconte les liens étroits entre le nouveau Premier ministre et le RN. C'est aux éditions Bon Chien Chien, le gouvernement qui propose une nouvelle édition, et ça c'est formidable, du Code de la route. Ça s'appelle Priorité à droite. Et le deuxième tome, va te faire foutre la gauche. Ça aussi, on a été captivés à la petite papeterie. Alors, les anciens membres du gouvernement n'ont pas perdu de temps pour écrire. Il y a d'abord eu cet opus confidence d'un ex-ministre de l'Intérieur, un peu affabulateur. Moi, Moussa D, migrant, sans papier. C'est bien mon Gérald Darmanin.
Il y a aussi un essai tragique et jubilatoire de Bruno Le Maire qui écrit « Les 3000 milliards de dettes, c'est pour votre renflement brun ». Et c'est vrai qu'on les sent déjà. Alors, et puis il y a ce livre qui nous en dit plus sur l'intérêt que porte le gouvernement aux personnes en situation de handicap. Zazie dans le métro, elle va bien galérer si elle est en fauteuil. On vous invite à l'acheter. Et puis je termine par cet ouvrage. Si vous aimez les grands classiques, les grands romans américains, si vous avez aimé Le vieil homme et la mère, vous allez adorer Le vieil homme et ta mère. C'est... Oh yeah. Ah, ça c'est magnifique. Merci mon Philippe.